Le roi Baudouin était un grand roi, quelqu'un de très humain. Il aimait beaucoup sa famille et il aimait surtout son pays. Huguette n'aurait raté ça pour rien au monde, déposer une gerbe devant la tombe du roi Baudouin 30 ans après son décès. Le roi était aimé. Alors aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes ne l'oublient. On ne peut pas l'oublier parce que pour moi, il reste toujours notre roi Baudouin. Et visiblement, beaucoup ne l'ont pas oublié aujourd'hui. Cet après-midi, plusieurs centaines de personnes ont visité la crypte royale pour rendre hommage au souverain. Ben, je voulais montrer à mes enfants en fait, qui était la famille royale en Belgique. Je suis née à Lac, j'ai habité à Lac, et je ne suis jamais venue voir la crypte, donc je me dis que c'était l'occasion. Pour voir les rois de mon pays, puisque je suis très contente de mon pays. Et particulièrement Baudouin en cette journée anniversaire, car beaucoup appréciaient le 5e roi des Belges, qu'il l'ait connu ou non. C'était un roi qui avait l'air, en tout cas, toujours un peu triste, je trouvais, mais qui a quand même fait pas mal de choses pour la Belgique. Très pieux, avant tout, je dirais. Voilà, qui aimait vraiment son peuple et qui s'est donné à 100% avec Fabiola. Sa réactivité pour aller sur les événements importants aussi, c'est surtout ça qui reste. Oui. Dans l'esprit des visiteurs aussi, le moment où ils ont appris la mort du roi Baudouin et l'émotion populaire qui a suivi. Je partais pour aller travailler et à ce moment, on annonce que le roi est décédé. Directement, rien que d'en parler, j'ai les frissons. Et directement, je suis parti déposer des fleurs devant le palais. Je me souviens encore d'ouvrir la radio et d'entendre l'annonce du décès, quoi. C'était le matin, donc on était au lit. Voilà. Au palais royal, c'était le monde incroyable qu'il y avait, mais c'était vraiment un roi qui était sans aucun contexte aimé par son peuple. La crypte était ouverte durant 3 heures ce lundi, l'occasion aussi de s'arrêter devant les tombes des autres membres de la famille royale qui y reposent.